Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, l'aubergine donc rincée, je vais enlever donc l'extrémité de ce côté-ci et la couper en deux. Alors, j'ai mis mon four à préchauffer à 180. Mis l'aubergine dans un petit plat pour aller au four et alors je vais entailler les deux aubergines. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, afin de bien écarter après pour enlever la chair. Et ensuite, je vais mettre du poivre, un petit peu d'ail et un petit peu d'huile. Donc là, j'ai commencé à mettre le poivre. Voilà, un petit peu d'ail. Là, c'est de l'ail en poudre pour l'instant. Et un petit peu d'huile. Et voilà, donc maintenant je vais le mettre au four et je vous dirai tout à l'heure combien de temps l'aubergine a passé au four. Alors j'ai laissé 20 minutes à 200 degrés. Donc voilà l'aubergine. Donc c'est très chaud. Alors maintenant il faut vraiment laisser refroidir le plus possible et après continue la recette. Alors maintenant que l'aubergine a refroidi, eh ben, je vais enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'aubergine, toute la chair, et je reviens vers vous. Donc voilà ce qui reste de l'aubergine, donc la peau et la chair. Allez, on continue. Alors maintenant, je vais mettre donc la chair dedans. Ajouter du sel, un petit peu de cumin, jus de citron, mais n'oubliez pas que je vous mettrai tout dans le lien, les ingrédients, la recette, le temps de cuisson. On continue donc avec le poivre, un petit peu de poivre. Ensuite, gousse d'ail, et ensuite, pour terminer, de l'huile d'olive. Donc voilà, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, le caviar d'aubergine est prêt, j'ai plus qu'à mettre sur un petit plat. Voilà pour aujourd'hui les loulous, un petit caviar d'aubergine, on va se régaler, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc voilà pour aujourd'hui, passez une très belle journée et comme d'habitude, ben je vous dis à bientôt les loulous, bye!